Bienvenue à chacun et à chacune. Que le Seigneur vous bénisse. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin. Peut-être vous êtes de passage, vous arrivez dans la région. En tout cas, soyez les bienvenus. On veut aussi accueillir celles et ceux qui nous suivent par Internet. J'aime quand le Seigneur confirme sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours bon quand le Seigneur confirme sa parole. J'avais quelque chose sur le cœur et ce n'est pas un sujet forcément simple ou agréable à aborder, mais étant donné ce qui vient d'être partagé, je crois que voilà, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, et c'est la bonne direction. Ce matin, j'avais à cœur de méditer avec vous le psaume 38. Le psaume 38, c'est un des 7 psaumes que l'on dit des psaumes pénitentiels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Pénitentiel, faire pénitence. Peut-être ça vous évoque quelque chose. Parmi ces 7 psaumes, il y a le psaume 6, le psaume 32, le psaume 38, donc celui qu'on va méditer ce matin. Il y a le psaume 51, celui que l'on connaît plutôt bien. Hein, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Le psaume 51, c'est le psaume de la repentance par excellence, écrit par David. Il y a le psaume 102, le psaume 130, le psaume 143, ces 7 psaumes ont ce thème en commun, c'est qu'ils nous parlent de repentance, ils nous parlent de revenir à Dieu, ils nous parlent de faire pénitence. Et le mot pénitence, c'est une expression finalement d'une profonde tristesse, d'un profond regret. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu de telles émotions, de tels sentiments devant Dieu. Une profonde tristesse, un profond chagrin, de vrais regrets devant le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est vrai, quand on dit, on parle de la pénitence, souvent on le voit comme le fait de s'affliger volontairement de sa faute dans le but de réparer la faute commise, comme si finalement notre niveau d'affliction, de tristesse, était comme une monnaie d'échange devant Dieu. Plus je vais m'affliger, plus Dieu facilement va me pardonner. Mais c'est une très mauvaise compréhension de ce qu'est en réalité la pénitence. Dans ce cas qui est une mauvaise compréhension de la pénitence, on parle de faire pénitence. Par exemple, je ne sais pas, vous avez certainement déjà entendu des gens qui vont monter des escaliers sur les genoux tout en récitant des prières, en espérant qu'en arrivant tout en haut devant la porte de l'église, Dieu va les pardonner. La pénitence, c'est plutôt un état plutôt qu'une action. C'est être dans un état de profonde tristesse face au péché commis et exprimer de profonds regrets quant à ce que l'on a pu accomplir. Et on va le voir après, cet état qui est sincère, il est provoqué par Dieu dans nos vies pour que cela puisse produire quelque chose de bon. La notion de réparation, qui souvent est confondue donc avec la question de la pénitence, la parole de Dieu, elle appelle ça l'expiation. Les Écritures, elles sont claires sur le fait que rien ne peut faire. L'homme ne peut rien faire pour pouvoir expier lui-même son péché. L'homme n'est pas en mesure de pouvoir effacer, racheter sa faute, et combien même il pourrait se mortifier, combien même il pourrait se faire du mal, combien même il pourrait pleurer toutes les larmes de son cœur volontairement, cela ne viendrait pas effacer le péché. L'expiation du péché, c'est le fait d'effacer la dette. Et ça, les Écritures nous le disent clairement, c'est Jésus qui l'a fait à la croix. Amen. Jésus, par le don de sa vie, a expié notre faute, notre péché, notre condamnation. L'évangile de Jean nous révèle, nous rappelle que lorsque Christ, eh bien, lorsqu'il va, avant de donner son dernier soupir, il va dire une chose importante. Il va dire, tout est accompli. Cela signifie littéralement tout est payé, la dette est close. Et celui qui fait expiation dans nos vies, c'est le Seigneur. Amen. Et nous le bénissons pour cela, parce qu'il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Le psaume 38 est donc un psaume qui est consacré au chagrin et au regret de David. C'est un psaume qui est un peu difficile à lire parce qu'il ne contient pas de point de bascule, vous savez, d'un changement d'un état à un autre. C'est un psaume qui va rester figé sur la question de la souffrance, sur la question de la tristesse, sur la question du regret. Et on ne voit pas un changement dans son état
émotionnel en lisant ce psaume. On le voit demeurer dans cet état de profonde tristesse. Et parfois dans nos vies, vous savez, il y a des moments où il n'y a pas forcément de point de bascule immédiat non plus. On peut vivre des saisons dans nos vies où aussi nous pouvons passer par de la tristesse, du chagrin, des regrets. Et c'est normal. Nous, on aime que les choses aillent vite. On aime qu'on appuie sur un bouton et la chose se fait tout de suite. On aimerait faire une petite prière et rapidement effacer la tristesse, les regrets, les chagrins. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela. Et il attend de nous aussi que nous puissions, au travers de ces temps, apprendre quelque chose d'important. Dans une période où tout va vite, on voudrait vraiment que ça passe vite, quoi. Quand on est triste, quand on est face aux conséquences de notre péché, à nos regrets. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Et l'Ecclésiaste précise, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et Dieu permet dans nos vies, comme il a permis dans la vie de David, ce que nous allons lire ensemble, un temps de pleurs, un temps de lamentation, un temps de regret, parce que Dieu voulait spécifiquement faire quelque chose dans le cœur et dans la vie de David. Dieu ne veut pas que les tristesses soient seulement liées aux circonstances, c'est-à-dire qu'il veut que pour notre bien, que ce soit nous qui changions par les circonstances qu'il a permises, parce que nous, souvent, quand on est face à des difficultés, quand on est dans la tristesse, quand on est face à nos regrets, on demande au Seigneur de changer les circonstances, on demande au Seigneur de changer les choses. Mais ce que le Seigneur fait, c'est qu'il ne change pas les circonstances. Et il nous change au travers des circonstances. Alors oui, la tristesse et les regrets sont un endroit qui peut être difficile à vivre. Et c'est pourquoi ce psaume, il n'est pas évident, il n'est pas simple. Parce qu'il nous renvoie à des vérités que nous préférons éviter dans notre vie. On aime plutôt la joie, les réjouissances, on aime la fête, on aime voir la grâce et le pardon, mais on aime moins parler de la tristesse et des regrets. Alors on ne sait pas à quel événement particulier David fait référence dans ce psaume, parce qu'il parle de son péché, de son iniquité, d'une chose grave qu'il a faite et qui engendre des conséquences difficiles dans sa vie, mais il n'est pas précisé les raisons pour les... Enfin, ce qu'il a fait exactement. Mais j'aimerais vous dire, cela n'a pas d'importance, parce que ce n'est pas le cœur même, le sujet même de ce psaume. Dans ce psaume 38, David nous dit qu'il a péché contre Dieu et que lorsqu'il écrit ces mots, il sent la main de Dieu sur lui qui exerce sa discipline dans sa vie. Alors je sais que ce n'est pas le sujet préféré qu'on aime entendre, mais c'est vrai qu'à notre époque, le mot discipline, ça fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Mais pourtant, ça fait partie des choses de la vie. En tant que parents, parce que nous aimons nos enfants, nous n'imaginerions pas un seul instant ne pas discipliner nos enfants, ne pas leur apporter la correction dont ils ont besoin pour qu'ils puissent grandir, comprendre le sens des choses et éviter des pièges qui pourraient être destructeurs pour eux. Il n'y a rien de pire que de laisser faire un enfant ce qu'il veut, sans limite, où l'enfant deviendrait roi. Et si nous sommes capables de comprendre cela, il nous faut comprendre que Dieu, qui est notre Père, aussi va exercer sa discipline dans notre vie, et c'est ce qu'il fait dans la vie de David. Parfois, on peut se forger une image de Dieu, où Dieu ne serait qu'amour, mais vous savez, un amour mielleux, où tout est beau, tout est rose. Mais j'aimerais vous dire que si on agit de cette manière-là, l'image que vous êtes fait de Dieu, où Dieu ne serait qu'un certain aspect, que grâce, en oubliant sa justice, sa droiture, sa sainteté, sa perfection, ben finalement, vous vous êtes façonné une fausse image de Dieu. Une idole qui n'est pas du tout la réalité.
Et ce psaume, justement, nous parle de cet aspect de Dieu, peut-être que l'on ne creuse pas suffisamment, de ce Dieu qui nous aime et qui nous discipline. Et David, par son chant, va nous dire des choses importantes au sujet de la discipline de Dieu, et il nous montre comment nous pouvons garder espoir, malgré la souffrance que peut provoquer, parfois la tristesse, les regrets que peuvent provoquer, eh bien, d'une manière momentanée, la discipline de Dieu dans notre vie. On va lire les trois premiers versets pour commencer. Psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. David ici n'utilise pas un langage du quotidien, c'est un langage poétique, ce sont des psaumes. Et il est important de réaliser que ce sont des images que David utilise. Personne ne va parler ainsi dans la vie courante. Même quand on prie, on ne va pas utiliser ce genre d'expression, ce genre de langage pour parler de nos regrets, de nos péchés. C'est véritablement un langage poétique. Et en utilisant ce type de langage, David essaye de décrire la main du Seigneur qui le discipline selon lui à cause du péché qu'il y a commis dans sa vie. Et David n'est pas en train de discuter du fait qu'il mérite ou non la discipline du Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Au contraire, il prie que Dieu, dans cette juste discipline, ne le discipline pas dans la colère ou la fureur. En tant que parent, certainement il vous est arrivé de vouloir corriger votre enfant parce qu'il avait fait une bêtise. Et je sais que je ne suis pas le seul. Des fois, on est en colère quand on fait ça, n'est-ce pas ? On réagit sur le coup. Et c'est de cet ordre-là dont il est question dans ce que David dit. Il dit, « Seigneur, je sais que j'ai fait une bêtise, je sais que j'ai mal agi, je sais que ta discipline, elle est juste, mais je te prie, Seigneur, ne me discipline pas dans la colère et la fureur. » Parce que nous savons que lorsque nous faisons une correction dans la colère ou dans la fureur, nous allons au-delà du nécessaire. Nous passons à côté de l'objectif même de la discipline. La colère, la fureur nous amènera toujours à aller trop loin, à exagérer notre réponse, parce qu'on a du mal à contenir nos émotions en tant que parents. Ça vous est jamais arrivé de dire « ouais, j'ai été trop fort là, j'aurais peut-être dû me calmer avant, et puis ensuite agir de la bonne manière ». La discipline n'a pas d'autre objectif que la correction, la progression et la restauration de ce qui a été brisé par la désobéissance, à savoir la relation, la confiance, la communion. Et David le sait, ça. Il sait que si Dieu le discipline, c'est pour son bien. C'est parce qu'à cause de son péché, il y a comme une distance qui s'est installée entre lui et Dieu. Et Dieu, qui l'aime, veut restaurer cette relation. Il veut faire grandir David afin qu'il comprenne que ce qu'il a fait ne doit plus se reproduire dans sa vie. Quand Dieu nous discipline, nous sommes tentés de nous demander si Dieu est en colère contre nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question ? Dieu, pourquoi est-ce que tu permets cela dans ma vie ? Est-ce que tu es en colère contre moi ? Et lorsque cela arrive, nous savons que nous avons mal agi. Légitimement, on a tendance à penser que Dieu agit envers nous parce qu'il est en colère. Mais j'aimerais vous dire ceci. Non, Dieu ne déverse ni sa colère ni sa fureur sur nos vies. Amen. C'est une bonne nouvelle. Parce que s'il agissait avec colère et fureur comme il pourrait le faire, aucun de nous ne serait vivant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et ça, David le sait. Il écrira au psaume 103, « Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. » David connaît Dieu et il sait que Dieu est juste en toutes choses. Dieu ne verse pas sa colère, mais il discipline ses enfants. Et c'est là où souvent, quand on n'a pas reçu la discipline dont on aurait eu besoin, lorsque quelqu'un cherche à exercer peut-être pour une des premières fois la discipline dans notre vie, on réagit très mal parce qu'on croit que la personne elle est en colère, qu'elle en a après nous, on ne comprend pas l'objectif de sa démarche. Et c'est souvent pour ça qu'on est un peu rebelle même à toute forme de discipline dans notre vie.
Mais la discipline, elle est bonne. Et j'aimerais dire ceci, nous n'avons pas à craindre ni la colère ni la fureur de Dieu parce que Jésus l'a subi à notre place. Nous pouvons être assurés que si Dieu intervient dans notre vie et nous discipline, il ne le fait ni dans la colère ni dans la fureur, mais il le fait par grâce pour notre bien parce qu'il nous aime. Romains 5, 9 nous dit à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Jésus a subi la colère que nous devrions subir. Il a porté le poids de nos péchés et de notre culpabilité. La parole de Dieu nous enseigne plutôt que Dieu nous discipline parce que nous faisons partie de sa famille, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Hébreux 12 nous dit, au verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Dieu discipline ceux qu'il aime. Alors oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, ce n'est pas agréable quand on passe par un tel moment. Lorsque Dieu nous corrige, lorsque même on a pu être corrigé lorsque nous étions enfants, ça n'était pas agréable. Cela produit un temps, pour un temps, la tristesse et l'affliction. Oui, la discipline peut être douloureuse et difficile, mais elle porte un fruit qui produit la justice dans notre vie. Elle nous amène à ressembler à notre Père. Elle produit en nous un respect, une sainte crainte de Dieu. Et je crois que parfois, nous perdons de vue cette notion de la crainte de Dieu. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui, mais que nous ayons du respect pour qui il est. Et ce texte nous dit, mais Dieu corrige ceux qu'il aime. Il corrige ses fils et ses filles. Il prend soin de nous. Et il ne nous laisse pas partir dans tous les sens. Et il ne nous laisse pas lui manquer de respect, il ne nous laisse pas dans notre manière de penser limitée et misérable, mais il nous éduque, il nous éveille, il nous fait grandir, il nous bâtit à son image. L'auteur aux Hébreux nous dit que les parents, eh bien les pères ont éduqué leurs enfants en les corrigeant, et ils ont pensé bien faire en disciplinant leurs enfants ainsi. Parfois, on le sait, ils n'ont pas toujours bien fait, peut-être ils ont exagéré, ou nous-mêmes en tant que parents, on se rend bien compte qu'éduquer, ce n'est pas facile. Et avoir une juste discipline n'est pas évidente non plus. On peut être trop laxiste ou trop dur, trouver le bon moyen d'amener notre enfant à comprendre l'erreur et à progresser. Mais Dieu, lui, ne faillit jamais. Si nous, nous sommes faillibles dans notre éducation, il n'y a aucun père, aucune mère parfaite sur la terre. Alors peut-être ça vous déculpabilise, moi en tout cas ça me déculpabilise de le savoir, parce que personne ne sait être un parent parfait, ça s'apprend être parent. Et on fait tous des erreurs. Mais Dieu lui est parfait, et dans sa discipline il ne se trompe pas. Ce qu'il fait, il le fait bien pour que ça nous soit véritablement profitable. Continuons la lecture, verset 4. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse.
car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. En lisant ces versets, on réalise combien la souffrance de David pouvait être physique, émotionnelle, spirituelle. Et il va décrire des manifestations physiques de la discipline de Dieu dans sa vie. Il n'a plus la santé dans son corps à cause de son péché et de l'indignation de Dieu. On pourrait comprendre que Dieu a permis qu'il ait une maladie dans son corps pour le discipliner et l'amener à réfléchir sur ce qu'il avait fait. Il y a plusieurs exemples dans les Écritures de personnes qui ont été disciplinées physiquement par Dieu. Dans le livre des Actes, nous connaissons tous l'histoire de Ananias et Saphira. Un homme et une femme nés de nouveau, qui, face à l'élan de générosité qu'il y avait dans l'Église, ont voulu se donner une forme d'importance, attirer sur eux eh bien, une forme de respect de leur père. Et donc, ils ont voulu vendre le champ, un champ qu'ils possédaient, et en venant porter l'argent, ils ont dit qu'ils avaient donné l'argent de tous, toute la vente, au lieu de dire qu'ils en avaient gardé une partie pour eux. Personne ne les obligeait à tout donner. Ils pouvaient donner ce qu'ils voulaient. Personne ne les a même obligés à vendre leur champ. Mais parce qu'ils voulaient eh bien, retirer un bénéfice humain charnel, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été foudroyés sur place. La discipline du Seigneur. Paul en parle aussi. Tout à l'heure, on a parlé de la Sainte Cène. Quand Paul s'adresse aux Corinthiens, dans la première épître, et qu'il parle justement du repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, 29, il dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » C'est une forme de discipline que le Seigneur exerce pour celles et ceux qui manquent de respect, ne discernent pas la valeur des choses et surtout eh bien, prennent le repas du Seigneur en vain. Il y a quelques mois, j'étais au congrès des pasteurs, et puis je discutais avec un collègue qui me racontait ce qu'il est en train de vivre dans son église. Et il me disait qu'une sœur qui était là depuis longtemps dans l'église, depuis qu'il était arrivé dans cette église, ça va faire plus de 10 ans maintenant, n'avait cessé de le critiquer, d'appeler tout le monde, de dire toutes sortes de méchancetés, de mensonges à son sujet. Alors plusieurs fois, il a essayé de discuter avec elle, de la raisonner, de l'amener à réfléchir. Et puis, bon, par devant, c'était tout va bien, mais par derrière, elle continuait ainsi à appeler, à critiquer, à faire tout ce qu'elle pouvait pour eh bien, se donner une forme d'importance en prenant cette posture dans l'Église. Et puis, il m'expliquait que eh bien, cette femme est tombée gravement malade. Un cancer foudroyant. Et alors qu'elle est tombée malade, elle a pris conscience que Dieu était en train de la discipliner. Elle s'est repentie. Elle a demandé pardon au pasteur, mais à l'église aussi. Elle a compris que Dieu était en train, comme pour David, de lui dire « Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin dans ma maison. Ce que tu fais n'est pas correct. » Alors je ne sais pas, parce qu'on est arrêté là à ce moment-là quand on en a discuté, je ne sais pas quelle était la suite. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que cette discipline de Dieu l'a aidée à comprendre quelque chose que pendant plus de 10 ans, elle n'avait pas compris, malgré les conversations qu'elle a pu avoir avec son pasteur. Oui, Dieu discipline ses enfants et il ne laisse ni l'irrévérence, ni le manque de respect contre lui s'installer dans la vie de ses enfants. Dieu attend de nous que nous ayons du respect pour lui. Dieu n'est pas notre copain à qui on met une petite tape dans le dos, à qui on va demander la bénédiction qu'on a envie, et puis le reste du temps, on ne se préoccupe pas de lui, on n'en a rien à faire. Non, Dieu veut être le centre de tout. Alors, la question c'est, est-ce que Dieu agit de cette manière systématiquement? Mais non, bien sûr que non. Toutes les maladies, toutes les infirmités ne sont pas la discipline de Dieu dans notre vie.
Pourquoi ? Parce que tout simplement nous vivons dans un monde déchu où la maladie, le handicap, les blessures peuvent s'emparer de nos cœurs parce que nous vivons dans un monde qui subit les conséquences du péché dans le monde. Depuis que le péché est entré dans le monde, ce que Dieu avait créé parfaitement, eh bien, est détruit, détérioré par le péché. Et la maladie est une des conséquences du péché dans le monde. Dieu utilise toutes sortes de circonstances pour nous corriger. La maladie, la souffrance physique n'est qu'un aspect de la manière dont Dieu peut nous discipliner, mais on a entendu parler tout à l'heure du fait d'être éprouvé comme l'or. C'est un moyen par lequel Dieu aussi nous discipline, où il nous fait comprendre, où il nous fait grandir, où il nous amène à aller plus loin que nous-mêmes. Vous savez, l'année passée, pour moi, a été plutôt compliquée. J'ai eu une crise assez importante à gérer, comme vous le savez, sur Albertville. Et ces moments difficiles où j'ai été face à mes propres limites, où on n'a peut que crier au Seigneur, de dire « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'en sortir de ça ?» Ben moi, je crois que Dieu a utilisé ça pour me faire grandir. Dieu utilise nos épreuves, nos combats, nos luttes, nos moments difficiles, nos difficultés dans la vie pour nous pousser plus loin, pour façonner notre caractère, pour changer notre manière de penser, pour fortifier notre foi, nous apprendre à compter sur lui plus que nous le savions le faire jusque-là. Parce que quand nous sommes face à nos propres limites, que nous ne maîtrisons rien, nous n'avons que d'autre choix que de dire « Seigneur, toi tu maîtrises tout et je dois te faire confiance ». Mais ça, c'est un processus douloureux. C'est un processus qui peut provoquer de la tristesse, du regret, de dire « Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai la tête si dure ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus facile de te faire confiance ?» Dieu se plaît à nous faire grandir, à utiliser toutes les circonstances. Comme nous vivons avec nos enfants et nous utilisons les choses de la vie courante pour les enseigner, pour leur apprendre le sens des choses. Dieu fait pareil avec nous. J'aimerais dire ceci, lorsqu'une personne souffre et se tient dans l'affliction et le chagrin, ne faisons pas l'erreur des amis de Job. On a tellement facilement l'envie de juger ceux qui souffrent, de leur dire « Ah, moi je sais, Dieu te juge, Dieu te discipline, Dieu ceci, Dieu cela. » Mais j'aimerais dire une chose très claire, c'est entre la personne et Dieu que les choses sont claires. Qui sommes-nous pour dire ce que Dieu fait ? Je vous ai donné le témoignage de cette femme, c'est elle qui l'a dit. Ce n'est pas son pasteur qui a dit « Ah, moi je crois que Dieu fait ceci ». Non, c'est cette femme qui, par la puissance du Saint-Esprit, a compris quelque chose et a dit « Dieu est en train de me discipliner ». Et nous ne faisons pas l'erreur des amis de Job qui ont cru mieux savoir que Job ce qui était en train de lui arriver. La plus grande des bénédictions qu'ils ont apportées à Job, c'est quand ils ont été à ses côtés et qu'ils ont fermé leur bouche. Là, ils ont su soutenir Job, dans son chagrin, dans sa tristesse. Mais un jour, ils ont ouvert la bouche. Et au lieu de continuer de le soutenir, ils l'ont accablé de culpabilité et de pensée toute humaine. Et je crois que c'est un grand acte d'arrogance de notre part que de pouvoir dire à quelqu'un « Dieu fait ceci, Dieu fait cela dans ta vie ». Qui je suis, moi, pour dire ça ? C'est le rôle du Saint-Esprit de dire à la personne ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, pas à moi, ni à vous. Fermons notre bouche, parfois ça vaut mieux. Et prions pour celles et ceux qui sont dans la tristesse, dans le chagrin, dans les regrets. Prions qu'ils saisissent la valeur de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Prions que Dieu dispose leur cœur afin qu'ils puissent sortir de cette situation et être grandis. Et rendre gloire à Dieu par leur témoignage. David va utiliser des images pour nous parler de sa souffrance physique au travers de sa maladie, mais il nous parle aussi du chagrin causé par son péché. Et c'est une souffrance qui est, elle, émotionnelle, spirituelle. Et la parole de Dieu, et plus particulièrement le Nouveau Testament, nous montre qu'il y a deux types de chagrin dans la vie. Il y a un bon chagrin, et puis il y en a un qui n'est pas bon. Il y a une bonne et une mauvaise tristesse. Dans 2 Corinthiens 7, on peut lire ceci. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti,
car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Paul avait envoyé une lettre aux Corinthiens, il leur avait fait un certain nombre de reproches, et leur a adressé des vérités qui étaient difficiles à entendre, et pour un temps, ils ont été attristés par ce qu'ils ont lu de ce que leur disait l'apôtre. Mais Paul leur dit, je ne regrette pas, et au contraire, je me réjouis de ce que vous avez été attristés pour un temps, parce que cette tristesse a produit chez vous de la repentance. Et il dit que c'est ce type de tristesse qui mène à la repentance et qui nous amène à nous tourner vers Dieu, qui est une tristesse selon Dieu parce qu'elle engendre la vie. Alors que la tristesse qui vient du monde, c'est une tristesse qui probablement n'a pas de fin, mais qui ne produit que des regrets et nous détourne au contraire de Dieu. Et c'est là ce qui va différencier justement le bon chagrin du mauvais chagrin. Le bon chagrin, la bonne tristesse mène à la repentance et à Dieu, alors que la mauvaise tristesse qui est celle du monde, elle mène à la mort. Elle peut nous mener peut-être momentanément à une forme de repentance, mais elle ne nous mènera pas vers Dieu. C'est toute la différence, et Dominique en a parlé tout à l'heure, entre l'apôtre Pierre qui a renié Christ et Judas. L'apôtre Pierre va être triste et regretter sincèrement d'avoir renié le Seigneur à 3 reprises. Mais lorsque le Seigneur vient pour lui tendre la main et manifester sa grâce, il ne se détourne pas. Au contraire, lorsqu'il voit que c'est le Seigneur, il va se jeter de son bateau et même pas habillé, il y va. Mais lorsque Judas prend conscience après avoir mal agi, il nous est dit qu'il va être affligé. Mais au lieu d'aller se repentir et de revenir à Christ, il va se suicider. Il va s'éloigner de Dieu. Le bon chagrin nous amène à réaliser le mal que nous avons fait à Dieu. Tandis que la tristesse, selon le monde, elle nous amène à considérer les conséquences de notre péché, de notre désobéissance, et d'être affligé des conséquences, mais pas de ce que nous avons fait à Dieu. Ah, je regrette d'avoir fait ceci, parce que les conséquences sont mauvaises pour moi. Mais à aucun moment, cette tristesse nous tous amène à nous tourner vers Dieu, de dire « Dieu, je t'ai offensé. Et ce qui m'attriste, c'est que toi et moi, nous ne sommes plus en communion. Toi et moi, nous ne sommes plus ensemble. Toi et moi, il y a comme une déchirure à cause de mon péché. Je regrette amèrement, parce que ta présence est importante pour moi. Si mon chagrin ne me pousse pas à me tourner vers Dieu, alors ce n'est qu'un détournement temporaire de mon péché, et j'y retournerai. Mais lorsque je suis vraiment touché selon cette tristesse qui vient de Dieu, alors non seulement je veux me détourner de mon péché, je me tourne vers Dieu, mais je sais que Dieu va me prévenir de retourner vers ce péché duquel je viens de me détourner. Dieu est mon garde-fou. Amen. Un autre exemple de la tristesse selon le monde, le jeune homme riche. Connaissez cette histoire ? Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, un jeune homme qui vient voir Jésus et dit « Que faut-il faire pour que je puisse hériter de la vie éternelle ?» Là, ils vont parler des exigences de la loi, etc. Et puis Jésus, rapidement, va mettre le doigt sur ce qui l'empêche de véritablement trouver la vie éternelle, d'être avec Christ. Il lui dit « Mais voilà, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Parce que spécifiquement, dans sa vie, ce qui faisait obstacle à goûter à la vie éternelle, de suivre Christ au quotidien, c'était sa richesse. Et il nous est dit que le jeune homme s'en alla tout triste. La tristesse qui nous détourne de Dieu, tandis qu'il y a la tristesse qui nous tourne vers le Seigneur. Lisons la suite, verset 10. « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus la même avec moi. N'est plus même avec moi. » Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Vous savez, quand on souffre, ceux qui nous entourent souvent ne savent pas comment gérer notre peine.
Ils ne savent pas comment gérer ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pourquoi la plupart des gens s'éloignent. Parce que votre douleur leur est eux-mêmes insupportable. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme sourd, je n'entends pas. Je suis comme muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. C'est la partie la plus optimiste de ce psaume. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. David va exprimer sa foi malgré les circonstances difficiles. Il a conscience que Dieu est en train de le discipliner, oui. Il est conscient de sa tristesse, il est plein de regrets. Et il cherche véritablement à ce que cette discipline puisse produire son fruit dans sa vie et que sa vie puisse être agréable au Seigneur. Mais il dit une chose importante. Éternel, c'est en toi que j'espère. Lorsqu'il dit ces mots, il dit, Seigneur, je sais que c'est momentané. Je sais que c'est pour mon bien. Et je sais que, Seigneur, tu vas répondre à mes prières. C'est un nouvel indice que cette tristesse dont David est animé est une tristesse selon Dieu et non pas une tristesse selon le monde, parce que cette tristesse ne l'empêche pas de garder confiance en Dieu. C'est en toi que j'espère. Il exprime la foi, l'espoir. Il dit avec ces mots qu'il s'attend à Dieu. Il attend le moment où Dieu va le restaurer, où Dieu va le délivrer de ceux qui s'en prennent à lui et qui alourdissent sa peine. Il s'attend à Dieu pour recevoir de lui ce dont il a besoin dans sa situation. Et il ne minimise pas sa faute ni son péché en disant « Seigneur, ce n'est pas si grave, tu peux quand même me bénir ». Non, il reconnaît avec vérité, il ne cherche pas à diminuer la chose, à faussement l'aggraver, comme pour attirer la pitié de Dieu sur sa vie. Il veut être juste et vrai, c'est tout. C'est vrai, Seigneur, je mérite ce qui m'arrive, mais je sais que c'est pour mon bien. J'ai confiance, je m'attends à toi. Alors, je ne sais pas vous, mais quand vous échouez de manière lamentable, quand vous péchez contre Dieu, est-ce que vous vous sentez légitime de lui demander quelque chose ? Non. En général, non. En général, quand on a péché, quand on a échoué lamentablement, on a plutôt envie d'aller se cacher dans un trou de souris. Mais ça, c'est la chair qui produit ça. David, lui, voit les choses avec les yeux de la foi et il dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que même si aujourd'hui je souffre et je suis triste, je sais que cela produira quelque chose de bon dans ma vie. Je m'attends à toi, j'ai confiance en toi. Et c'est là toute la différence entre ce David qui dit, Seigneur, je sais qu'un jour cette souffrance va s'arrêter et que tu vas restaurer toute chose. Et un Adam qui, dans le jardin, à cause de son péché, va se cacher loin de Dieu. Dieu ne veut pas que nous nous cachions loin de lui. Au contraire, s'il nous discipline, c'est pour restaurer la relation, la communion et effacer de nos vies ce qui empêche la progression de notre relation et de notre intimité avec lui. Et David nous montre justement le chemin à suivre. Il nous montre la bonne procédure que nous devons poursuivre lorsque, effectivement, nous avons péché, lorsque nous avons échoué, lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu lamentablement et que nous sommes le cœur rempli de regrets. Et il nous dit, mais ne t'éloigne pas de Dieu. Laisse cette tristesse faire son travail dans ton cœur. Laisse les regrets travailler ta conscience. Mais tout, attends-toi au Seigneur. Dieu ne veut pas se détourner de toi, mais s'il agit ainsi, c'est pour que tu te tournes vers lui et que ta relation grandisse encore. Et David va utiliser ces 14 premiers versets pour, c'est vrai, exprimer sa souffrance, sa peine, de tout ce qu'il a fait pour exprimer combien il regrette. Il ne cache pas sa responsabilité, mais pourtant il dit, c'est en toi que j'espère, je m'attends à toi, je sais que tu vas me répondre. Il s'attend à la restauration, la réconciliation. Et toute notre difficulté, c'est justement d'accepter la discipline du Seigneur. Continuons à lire verset 17, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Ces mots sont importants. Je reconnais mon iniquité.
Le début de la discipline, ça commence par ça. De dire, Seigneur, je reconnais, je te demande pardon. Je m'humilie devant toi. Mais j'ai confiance que, au travers de tout ce processus, tu vas me faire grandir. Tu vas me sanctifier. Tu vas me permettre de mieux te connaître, d'avoir un plus grand respect pour toi. Et que notre relation soit plus grande, plus forte. Et c'est une assurance que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Jean nous le dit dans son épître, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui est écrit ? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu as péché, si tu as fait une bêtise, ne fuis pas loin de Dieu, mais cours près de lui, confesse ton péché. Et laisse-le te restaurer, laisse-le te discipliner, laisse-le te montrer la bonne manière de faire, laisse-le te corriger parce que cette correction, elle est salutaire pour toi, elle va produire le fruit de la justice. J'en viens à ma conclusion. Juste lisons les derniers versets. « Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. » Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Seigneur, mon salut. On pourrait le traduire autrement en disant, tu es mon libérateur, tu es celui qui me libère eh bien, des circonstances difficiles par lesquelles je passe, mais je sais que c'est momentané et que tu te glorifieras au travers de ces circonstances parce que Seigneur, ton plan pour ma vie est parfait. Amen. David déclare que le même Dieu qui le discipline et qui a permis pour un temps la souffrance dans sa vie est aussi le Dieu de son salut. Le Dieu qui libère, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre des ennemis et qui change les circonstances. Il s'attend à lui parce qu'il sait que Dieu est fidèle et que tout ce qu'il fait est parfait et que même la discipline par laquelle il passe est parfaite. Dans le psaume juste avant, David va écrire quelque chose de très important. Il dit ceci au psaume 37, versets 23 et 25, ce sera notre dernière lecture. « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni la postérité mendiant son pain. » David dit à la fin de sa vie, oui, le juste peut tomber. Il peut se planter. Mais Dieu ne lâche pas sa main. Dieu le soutient, il va le relever. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je peux dire une chose, Dieu ne m'a jamais abandonné. Amen. Alors je ne sais pas par quoi tu passes ou à qui ce message était adressé ce matin. Mais j'aimerais te dire, ne crains pas la discipline du Seigneur dans ta vie. Ne crains pas les circonstances difficiles peut-être par lesquelles tu passes aujourd'hui. Dieu veut former ton cœur, ton caractère, ta vie pour qu'elle soit semblable à lui. Dieu veut purifier ton cœur, tes émotions, tes pensées, tout ton être, toute ta manière d'être pour qu'elle lui donne gloire. Et combien même tu es tombé, tu as péché, et combien Dieu peut-être a permis un temps de souffrance, de tristesse et de chagrin dans ta vie, ne t'afflige pas au-delà du nécessaire. Mais comme David, reconnais les choses et aie confiance que celui à qui tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Amen. Et que même si les circonstances, les conséquences de ce que tu as fait, tu les subis encore aujourd'hui, Dieu va utiliser les conséquences que tu subis aujourd'hui pour former ta vie en lui. Toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, nous dit la parole de Dieu. On prie ensemble. Père, ta parole est bonne. Elle nous parle de sujets de réjouissance, mais elle nous adresse aussi des sujets qui sont plus difficiles, mais qui sont justes et dont nous avons besoin. Merci d'être ce Père parfait, excellent, qui prend soin de ses enfants. Merci Seigneur pour la correction que tu apportes dans notre vie.
Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur, dans notre misère, mais tu façonnes ton caractère en nous, tu chemines avec nous, tu nous reprends, tu nous corriges. Merci pour ta correction. Père, c'est une prière difficile à dire. Mais Seigneur, c'est avec foi et en reconnaissant que c'est parce que nous sommes tes enfants que nous pouvons prier ainsi. Mais Seigneur, avec mes frères et sœurs, je voudrais dire, Seigneur, corrige-nous encore. Façonne-nous encore à ton image. Et merci parce que tu le fais dans un esprit de grâce, d'amour, de restauration, de changement. Et que même si parfois c'est douloureux pour la chair, c'est bon pour l'esprit, pour notre esprit, pour la vie que tu veux rendre abondante en nous. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu nous émondes pour que nous portions encore plus de fruits. Et être émondé, c'est d'une certaine manière être coupé, ça fait mal. Mais merci, Seigneur, parce que tu nous émondes, parce que tu ne nous laisses pas dans notre misère, mais tu façonnes Christ en nous. Tu nous rends semblables à lui. Père, pardon pour toutes les fois où nous avons perdu espoir face aux circonstances, face à la tristesse et au chagrin. Mais aide-nous comme David, Seigneur, à lever les yeux vers toi et d'avoir confiance que, quoi qu'il arrive, tu es au contrôle. Quoi qu'il se passe, tu es là. Et que même, Seigneur, si c'est difficile, même si c'est une saison de tristesse et de chagrin, même si c'est une saison où tu nous mets face à nos erreurs et où nous sommes face à de grands regrets, c'est une saison où tu veux nous enseigner, où tu veux nous faire grandir, où tu veux nous sanctifier, nous purifier. Quelle grâce! Merci d'être ce Père excellent pour chacun et chacune d'entre nous. Aide-nous, Seigneur. Chaque jour, on a besoin de toi. Et Seigneur, ta parole nous a parlé d'apprendre à te respecter, à craindre ton nom de la bonne manière. Donne-nous, Seigneur, d'être des enfants qui ont cette sainte crainte de ton nom, qui ne négligeons pas ton autorité et qui ont vraiment ce respect pour toi chaque jour dans notre vie, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit à l'église, quel que soit les moments par lesquels nous passons, que vraiment, Seigneur, il y ait ce profond respect pour toi, pour ton nom, pour ta parole, pour qui tu es. Parce que c'est dans ce respect, dans cette révérence devant toi, que tu te plais à bénir, que tu te plais, Seigneur, à répandre ta grâce et ta bénédiction. Merci, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous ce matin, et je sais que tu as parlé au cœur. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. On va se dire au revoir.